Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recoverit qui va être un nouveau tuto vous permettant simplement de réparer un iPhone qui reste peut-être bloqué sur la pomme, aussi bien au démarrage mais aussi si vous cherchez à l'éteindre. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué et ce problème sera très vite résolu. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, si vous faites actuellement face à cette situation, je pense que c'est actuellement la panique à bord. Et je vous dis ça par expérience parce que je suis moi-même déjà passé par là. Et je me rappelle très bien, j'avais cherché à attendre que mon téléphone se décharge, mais ça prend des heures, voire même des journées à des moments. C'est pourquoi il y a un outil qui est disponible et qui se nomme Wondershare Doctor Phone. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et il est compatible aussi bien sur Windows que sur Mac, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Désormais, lorsque vous l'aurez bien directement sur votre PC, au lancement, vous allez constater que vous aurez de très nombreuses fonctionnalités, comme le fait, pourquoi pas, de transférer des données qui proviennent d'un Android vers un iPhone et vice-versa, si vous changez potentiellement de téléphone, mais aussi de transférer des messages de WhatsApp d'Android vers iPhone pour qu'il y ait une conversion de la sauvegarde entre Android et iOS et inversement, mais aussi pourquoi pas pour changer de localisation, pour retirer le code de verrouillage, le code de temps d'écran et plein d'autres choses que je vous laisserai directement découvrir de votre côté. Et nous maintenant, on va simplement se rendre dans la catégorie réparation système et vous allez devoir connecter à l'aide d'un câble USB votre téléphone à votre PC. Lorsque vous serez bien dedans, vous allez désormais simplement vous rendre dans la réparation iOS, donc iPhone et iPad, et ensuite vous allez choisir la réparation standard qui est vraiment présente, et ça c'est bien écrit pour les problèmes on va dire mineurs, comme notamment le fait que le logo Apple reste bloqué. Et de cette manière, c'est bien écrit également, vous n'allez pas perdre vos données, ce qui est quand même quelque chose de bien important à spécifier. Ensuite, lorsque vous serez bien dedans, vous allez constater qu'il y aura pas mal d'étapes à bien respecter, notamment le fait de bien être en mode recovery, d'obtenir la dernière mise à jour de iOS et plein d'autres choses, mais je vous rassure maintenant, Dr. Phone s'occupe de tout, vous n'aurez strictement rien à faire de votre côté, à part évidemment suivre toutes les étapes qui seront inscrites à l'écran. En globalité, ça prend environ une bonne dizaine de minutes, pas plus, c'est autrement dit simplement le temps des chargements qui seront aussi bien sur l'écran de votre PC avec Dr. Phone, mais aussi sur votre téléphone, et vous allez voir que de cette manière, l'iPhone va s'éteindre, c'est déjà une bonne nouvelle, puisqu'il ne sera plus bloqué sur le logo Apple, mais surtout aussi derrière tout ça, il y aura des chargements pour vraiment corriger les différents problèmes, dont celui-ci, pour éviter que les prochaines fois vous l'ayez de nouveau. Ensuite, au bout d'une bonne dizaine de minutes, lorsque l'iPhone va bien se rallumer, vous allez voir qu'il sera bien fonctionnel dès le début, et ainsi vous allez pouvoir directement l'utiliser, ce qui est quand même quelque chose de très utile, et ça je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Bon, maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez bye tout le monde.